Salut à tous, c'est Alwolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 très rapide pour le trailer de lancement de Bastion des Ombres. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, lâchez un like, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout que très rapidement, on va aller sur Bastion des Ombres. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bon, j'aurais bien voulu vous mettre la version directement avec la musique de fond, etc. et tout. Mais malheureusement, Bungie n'a pas pensé aux droits d'auteur. Donc il n'y a pas de vidéo directement avec le son en fond, parce que franchement, il est plutôt stylé avec la synchro-son, musique, etc. Mais c'est pas possible. Donc pour cela, vous aurez le lien du trailer dans la description de la vidéo pour vous mettre vraiment dans l'ambiance et je vous invite à aller le voir. Sinon, on va parler vite fait de ce trailer et ce que l'on peut voir à l'intérieur. Déjà, on voit dès le début la zone que l'on avait dans Destiny 1 lors des premières missions de la Lune. Et là, directement, t'as les souvenirs qui remontent, tu vois. Vous la connaissez sûrement pour les anciens, évidemment, et c'est d'ailleurs cette zone qui était devenue un petit peu symbolique sur Destiny 1 puisqu'elle permettait d'obtenir le début de la quête du gouffre nécrotique si tu farmais en boucle les chevaliers ou bien les prêtresses, simple petit mob de la ruche. Bref, ça te permettait de start la quête du gouffre nécrotique en année 3. Ensuite, on a eu des zones pas très familières qui semblent être une sorte de zone que l'on avait dans l'esprit tutélaire avec Rasputin, plutôt intéressant. Par contre là, j'avoue ne pas avoir compris ce qui se passait. Mais on a la map PVP qui fait son retour en patrouille, je le rappelle si ça avait déjà été passé outre votre mémoire, mais on a littéralement une bataille avec des vaisseaux, des tirs de DCA, bref, c'est le bordel total. Alors est-ce que Bungie nous a prévu quelque chose de nouveau, comme mécanique avec notamment les vaisseaux qu'on peut voir, etc. J'aimerais bien, ou c'est juste une impression pour faire stylé dans le trailer, peut-être. En tout cas, j'ai hâte de voir ça le 1er octobre pour savoir. Ensuite, cette zone est très stylée, je ne sais pas si c'est le côté rectiligne qui m'a bien fait kiffer et surtout qui m'a fait penser au début directement au raid de Destiny 1, le raid FM pour ceux qui s'en souviennent. Donc est-ce que l'on aura des casse-têtes aussi poussés que sur Destiny 1? Ce serait plutôt sympa parce que franchement il fallait se creuser la tête sur D1 par rapport à D2. Et là, à ce moment dans le trailer, comme vous pouvez l'entendre, bienvenue, nous vous attendions. On a une voix robotique. On ne sait pas trop qui c'est, mais il semblerait que ce soit notre spec si l'on croit les sous-titres de certaines vidéos parues sur Facebook. Mais ceci voudrait dire qu'une entité aurait pris encore une fois en otage notre spectre, comme Sagira l'a pu faire dans la malédiction d'Osiris, ou bien ce serait une nouvelle manipulation de Savathun ou n'importe quel grand méchant qu'on entend tant parler mais qu'on n'a toujours pas rencontré. Après, pour le reste du trailer, c'est surtout des éléments que l'on connaît déjà. Mais certaines zones ont l'air plutôt cool, notamment avec ce côté très sombre et seule la lumière de notre spectre nous montrera la voie. J'aime beaucoup ce genre de sensation, de situation. On peut y voir aussi des éléments d'Everversum comme une nouvelle émote exo probablement, ou bien les deux passereaux version Lion de Guerre et Yotun. On a un petit aperçu du souffle du Léviathan en action, l'arc lourd exo. Bon, il n'a pas l'air très puissant à dire vrai, parce qu'on a une petite vague idée que c'est sûrement des mobs juste avec des barres rouges, donc à voir. Et encore des images du donjon. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce pompe avec les fameuses épines. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais il semble être sur le thème de la ruche, donc il y a plusieurs possibilités par rapport à ces armes, donc tous ces styles d'armes, puisque je le rappelle, on a eu notamment un lance-roquette avec des épines. Soit c'est des armes que tu lootes comme ça sans réels objectifs, ou autre, soit il s'agit d'armes que tu pourrais obtenir par le biais du donjon. Et c'est ce qui manquait dans le trône brisé pour le côté de rejouer le trône brisé jusqu'à que tu lootes vraiment quelque chose que tu apprécies. Donc c'est possible que l'on ait ces équipements en loot potentiel lors du donjon, et si c'est le cas, il faudra attendre le 29 octobre pour mettre la main dessus. Mais franchement, si Bungie a fait ça, ils ont assuré sur ce coup là et enfin, quelques images du raid pour poursuivre le trailer. Attention à bien gérer votre saut, notamment les arcanistes qui ont tendance à mince, je suis tombé, j'ai raté mon saut, on vous connaît. Bon, évidemment, on n'est pas tous comme ça, ça arrive à tout le monde évidemment, malheureusement. Là, dans cette partie là, il y a un peu de shoot synchro avec le son du trailer du Xénophage. Bon, on n'a pas le son, c'est dommage, mais si vous allez sur le trailer, vous verrez directement la synchro son et elle est plutôt stylée. Par contre, temps mort à ce moment-là, à 7 minutes précises, regardez la tenue de cet arca.
Oui, il s'agit bien de la tenue du jugement des neufs. La première, à vrai dire, hein, la première que l'on obtenait dans le JD9. Enfin, sans ornement, hein, sans flawless ou quoi. Et on a pile à ce moment-là, ben, des milliers de combinaisons par rapport aux armures 2.0. Or, Bungie a dit que si l'on souhaitait obtenir une armure du passé, par exemple le protocole ou bien du PVP, etc., il fallait la réacquérir dès le lancement de Bastion des Ombres. Donc, les possibilités sont les suivantes. Soit les armures que l'on prendra dans notre collection seront automatiquement 2.0, alors c'est peu probable. Soit les armures que l'on a dans notre inventaire se transforment en 2.0 magiquement. Quasi impossible, hein, beaucoup trop de taf pour Bungie et surtout ben, on aurait plus d'armure de première génération et donc résultat ben, on aurait plus du tout aucune perque viable. Soit il s'agit d'un ornement et ça, ça a de très fortes chances que ce soit le cas. Et la dernière possibilité, ben, c'est que Bungie nous tease le retour des armures du JD9 et donc de soit du jugement, j'y crois moyen, ou bien d'une activité qui permettra d'obtenir ces armures. Ben, là ça a plus de grandes chances hein, et je vous laisse ben, donner vos différentes suggestions et possibilités ben, dans les commentaires. Ensuite, on a quelques aperçus de nouveautés telles que les assauts, une arme qui semble du raid, hein, la map PVP fragment. Mais pourquoi ce chasseur deviendrait-il invisible alors qu'il a un couteau de lancer? Donc il y aura peut-être un mode qui le permettra. Et ensuite, quelques émotes exo avec la première émote à 3. On verra ça en situation. Et enfin, on a des images de l'invasion Vex qui, franchement, rend archi bien, montrant ben, à l'intérieur de l'espèce de portail hein, ce qui semble être le jardin noir et donc ben, l'intérieur du raid. Hein. Et pour accentuer la possibilité que le donjon ait des loots spécifiques, eh ben la présence de ce passereau du même thème. Donc j'ai hâte de voir ça le 29 octobre ou bien bah tout simplement on sera déçu dès le début avec le 1er octobre on aura directement notre réponse. Donc en tout cas il faudra attendre cette date là et je vous donne rendez-vous pour découvrir ça en ma compagnie en stream. Et je sais pas si ce sera sur Twitch ou YouTube hein. Donc go follow ma chaîne Twitch et activez la cloche sur YouTube parce qu'il reste quelques vidéos avant la fin de la semaine qui sortiront et bah, on se dit à très vite. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2. Allez, à plus!